Désolé, monsieur. Eh oui. D'ailleurs, j'aurais des questions à vous poser, Pied de Carva. Bon, on va... Bonjour. Oui, oui, oui. Bonjour. Ouais, bon, oh, c'est joli ici, dis donc. Eh oui. C'est une école. Karma va s'inscrire. Oh, d'accord. Et c'est... ça va bientôt ouvrir. Je crois qu'il manque un professeur. Ah, il manque un professeur. Je vais me mettre à hauteur parce que j'ai l'impression que le son monte pas. Ah oui. Bah oui, c'est-à-dire qu'avec ma petite taille, oui, le son est forcément beaucoup plus bas. Eh oui, oui. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Je vous entendais de loin, vous voyez. Ah oui, tout à fait. Bah là, ça doit être mieux. Ou sinon, je m'approche un peu, hein, si vous voulez. Ah ouais, c'est bien. Non, mais c'est trop bien. Alors, je suis pas sourd, hein, par contre. Oui. C'est juste que bon, je suis. Bah, d'accord. Bon, bah alors, si vous voulez, d'accord, pas de soucis. Bah c'est très joli. Donc, dirait ici. Même que madame parle très fort. Bah là, ça va aller mieux normalement. Oui, parce que. Oui, peut-être... voilà, madame, elle finit de brailler. Elle parlait très très fort. Hein. Je braille pas. Je vous permets pas. Ah bon? Ah bah d'accord. Bah j'ai cru. Non, non, je ne braille pas. Ah, je vais regarder un petit peu du coup. Bah, alors, il y a du monde en qui, est, cas, qui madame, est inscrit dans cette petite école. Oui, dites-moi. C'est la première fois que Karma voit Monsieur Benny s'agenouiller devant une femme. Ah bon? Et moi pourquoi aussi. Il n'a pas d'habitude, il ne le fait pas. Mais je me joue. Ouais. Je me joue pas, hein. C'est juste même que devant je Karma. Truc, ah bonjour les mecs, comment je vais aller? Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, bah, je reconnais cette voix. Oh, bah oui. Comment il va? Monsieur Benny. Ah, bah, Monsieur Benny, là, comment je vais aller? Tu vas bien? Ah, je suis madame Karma, bonjour. Bonjour, Monsieur Bamako. Ouais, bah, bonjour, j'en connais. Vous vous souvenez pas avec mon Lindori, avec mon Arctique, mon Ser Arctique? Ouais, tu vous fous putain de merde. J'ai des problèmes de mémoire, là, je suis à la merde. Il avait, bah, alors, il avait quelques petits problèmes de constipation. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Mais il a fini par changer. Karma, c'est la première fois qu'elle voit Monsieur Bamako oublier une dame. Décidément, il y a beaucoup de premières fois avec vous, madame. Ah bah dis donc, entre bah oui, entre un qui m'oublie puis l'autre qui s'agenouille. Ça doit être ma soirée. Je me suis pas agenouillé. Je me suis un petit peu penché en avant. Et c'est fou. Ah, t'as penché en avant là? Ah je savais pas que t'étais de ce bord-là. Devant la dame. Alors qu'il le fait même pas devant Karma. C'est compliqué. Le son il montait pas jusqu'à l'oreille. Alors du coup j'étais le chercher. Ah, et puis moi je peux pas aller plus haut hein, de toute façon, donc c'est à vous de venir vers moi. Hein. Non. Mais d'ailleurs regardez, ah non, là non, par exemple, vous voyez on est en groupe, vous pourriez faire l'effort de monter sur le banc. Hein. Je ne vous... Eh oh, vous avez qu'à vous baisser un petit peu quand même, eh oh. Bah ouais c'est ça, baisse-toi un petit peu là. Bah monsieur Benny, alors il a fait pourquoi? Alors vous savez l'effort... Alors si je puis me permettre, vous savez l'effort que ça me demande monsieur de monter sur ce petit banc? Oui, bah, je sais que vous avez pris 10 minutes à monter, mais bon, si vous voulez, vous m'avez déjà fait perdre 10 minutes à vous écouter, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bah, excusez-moi, dis donc, si vous n'êtes pas content, c'est tout pareil, hein? Oh, bah, d'accord. Ah, bah, d'accord. Oh, bah, oui. Quick. Oh, bah, quel étrange personnage. Bon, allez, j'ai des choses à faire, alors du coup, c'est pas que vous me faites perdre mon temps, mais un petit peu quand même. Hein. Bon, allez, bien, bonne journée. Hein. Hop, hop. Ah bah putain, vous êtes bien devenu impoli là, monsieur Benil. Hein. Pas très gentil, moi, je trouve. Ah bah je parlais pas pour ça, monsieur Bamako. Vous êtes toujours très gentil, monsieur Bamako. Ah, je trouve vraiment ça. Je vais venir refaire une commande, là, parce qu'il faut que j'accélère le chantier, là. Voilà, monsieur Bamako, c'est pas chez moi qu'il faut faire les commandes. Moi, je suis plus chef de... Comment si c'est pas chez vous, là, bah, il se fout de ma... Qui te fout de ma gueule? Eh, vous avez dormi pendant longtemps, monsieur Bamako? C'est monsieur Alric qui a repris l'entrepôt, moi je suis huissier de justice. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en tant que huissier de justice? Vous avez besoin que je saisisse quelque chose sur vous, peut-être? Une file indienne. Une belle file indienne, les uns derrière les autres. S'il y en a un qui double l'autre, je lui coupe la main. Ah, non merci, Vénus. Derrière le monsieur Reiser, ne bougez pas. Passez, monsieur Reiser, restez. Allez-y, monsieur Benny, allez-y, monsieur Benny. Je vous escorte. Allez-y, monsieur Benny. J'entends rien. Visez bien, visez bien. Le visage. Allez-y, monsieur Benny, allez-y. C'est horrible. Non mais... Bah ouais, c'est horrible, sauvez-moi. Rébellion, rébellion. Rébellion, rébellion. T'inquiète pas, je vais te faire un impact dans la gueule. Au-delà, vous pouvez les emmener. Si je m'en... Très bien. Ce sera bientôt fini. La lumière brille, j'ai fait chaud à cet homme. Il est fou. Allez-y. Il va déjà mourir. Allez-y, monsieur. Monsieur Reiner, allez-y.
Merci. Gigi, me dis pas que tu vas lui jeter des choses. Non, pas lui jeter des choses. Une petite peinture pour immortaliser le moment. Il y a écrit Harry Pet dessus. Ah ouais? Ah! Bonjour. Salut! Aïe! Voilà. Mais t'es fou, toi! Tenez, monsieur Rainer, vous pouvez descendre! Tenez, monsieur Rainer, votre récompense! Va chez le vaisseau bruit! Il a déjà pris le pièce d'or qui a suivi le truc. Il a droit. C'est pas grave! Je dirais tous les vaisseaux bruit, sauf CC, Gigi et Karma! Bon, payer les gens pour lui jeter des trucs, c'est quand même un peu sale, quoi, mais bon. Salut! Moi, oh bonjour Torto, tu vas bien? Je suis là! Un peu de la vue, hein! Pierre! Tu te sens bien, Pierre! Comme Pierre! Oh oui! C'est en route, mais après, on va aller au Tousseau Palais! Heureusement, ils veulent pas me livrer tout de suite avant d'avoir fini tout ça! Ah merci pour un lieu! J'aurais quelque chose à te demander après! Je suis là! Ça marche surtout pas de soucis! J'ai un mot à dire, je peux! Tais-toi, Béli, tu sers à rien! Je suis seul à trouver ça pas normal! Monsieur, c'est pas normal, ils sont fous! Qui est-ce qui trouve pas ça normal? La personne qui trouve pas ça normal, qu'est-ce qu'elle fait face à moi? Pas bien de dire ça, hein! Monsieur Laracan Angelo, les excréments sont... Les gens de la lumière, ils vont aller chez... Autorisé, tout est autorisé, vous pouvez jeter tout ce que vous voulez! Comment? Je viens simplement te souhaiter... Alors, je sais c'est lequel! Il est parti parler avec le forgeron. Bah, je suis sûr que c'est normal. Pop, reculez, monsieur. Reculez. Deuxième avertissement, reculez. Je veux bien une petite pièce. Mais non. Un mendiant. Tu es mendiant, toi? J'espère qu'on se reverra. Tu es mendiant, toi? Oui. Ah, tu es mendiant. Mais tu es là me voir au bureau tout à l'heure. Vous êtes encore? Allez, monsieur Angelo. Ah oui. T'as bien posé votre récompense, c'est normal. Allez-y, monsieur. Attendez, monsieur le tour, merci. Vous on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Faites-vous plaisir. D'accord. Vous pouvez monter un peu plus dans les espaces. Affirmatif, si vous avez. Oui, on va. Je comprends. Commencez, Grand Thunder. C'est le dernier qui jette du caca et après on commence. Brûlez cet homme. Ah, c'est un ballon. Je vais parvenir les derniers mots. Joli caca. Joli caca. Me rapprocher, il y aura vite de moi. Excusez-moi, monsieur, j'ai un petit message à faire passer, s'il vous plaît. Mais pas de message à faire passer, on dégage là. Ah c'est un ordre que j'ai reçu hier, monsieur. Si, là, il y a un ordre. Si. Je tiens à m'excuser auprès du peuple pour le comportement que j'ai eu avant hier soir. Mais t'es moche. Ça se reproduira plus. T'es moche. Attendez-vous, monsieur Tobiator. C'est triste. Moi, je parle si je veux, c'est mes derniers instants. Très bien, merci monsieur, merci. Garde. On va laisser 10 secondes à monsieur Toby pour dire ses dernières volontés, ses dernières paroles. Une fois que ceci sera fait, le grand Thorndor vous donnera l'ordre de mettre feu au bûcher. Quand il vous donnera l'ordre, vous mettrez feu au bûcher et vous écarterez. Très bien. Monsieur Toby, voici vos 10 dernières secondes de gloire. Profitez-en. Alors, je tiens à dire que les gens gentils, bah, ils iront chez Luminosi et je vous considère comme ma famille. Et j'espère que vous irez bien sans moi. Allez, je vous aime très fort. Bon, des bisous. Hein. Ouais, toi, on se reverra chez les gens. Alors, je bien. Bon, vive le temps du temps. Allumez Allez-y, allumez Jeanne, au secours. N'hésitez pas à allumer. Jeanne, au secours. Monsieur, que la lumière t'illumine. Pour sentir la chaleur. Toi aussi, c'est... Ah bah là, on est bien placé, hein. Ah bah oui. Bon, c'est quand je commence à brûler. Écartez-vous, gars. Allumez. Ça brûle pas tellement. Descendez, ça va vite prendre feu. On descend des escaliers, pas de, je veux pas de blessés. Veillez à ce que les citoyens ne partent pas en couille. Oh mon dieu. Jeanne. Ouais, la feu. Allez, plus de feu. C'est horrible, il crame d'un coup. Jeanne, au secours. C'est beau, hein. Allumez le feu. Le feu te purifiera, mon frère. Jeanne, au secours. Oh, l'odeur. Ça ira dans la fosse à mer, tout ça. Toby, que la lumière t'illumine. Ouais, ça fera du bon engrais. Roulez au tir à chez les sombrus, qui en plus c'est mort. Ouais, c'est pièces, ça, c'est un truc que je vais désestimer avec les autres guerriers. Ouais, t'as rien fait du tout, t'étais dans les jupons de ta maman. Ça,
C'est bien. C'est pas très sympathique quand même de faire ça, ce monsieur. Et si Perry, monsieur Tobiata. Citoyen. Citoyen, y a-t-il un deuxième volontaire? Très bien. Bonjour, Lindori. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous avez le code pour ouvrir la porte? Ou pas? Ah, mais je vous avais pas reconnu! Oh, mais comment vous allez? Faut pas dire que tu m'as vu. D'accord, ok. Je me dis que c'est pour ça. Passe. Ben, les gardes, ils ont pas été gentils avec moi et Capitaine Fufu. Alors pourquoi ils t'ont fait quoi? Je fais attention. Ils m'ont assommé. Ils t'ont assommé? Ils voulaient me fouiller. Oui, pour ça que je suis pas allée à la réunion ce soir non plus. Ah oui, je comprends, effectivement. Mais pourquoi ils voulaient te faire ça? T'as rien fait de mal? Non, c'est parce que j'ai refusé de manger les pilules quand ils me les ont données. C'était des pilules pour m'endormir. Complètement fou de t'assommer. Ah oui? Bah oui. Et Fufu était très en colère. Oh, j'en reviens pas, je dois justement aller après elle. Oh, et donc du coup, tu dois te cacher? C'est ça, je dois être très discrète. Mais toi, je te fais confiance, on est copines. Ah oui, tu peux me faire confiance, ne t'inquiète pas. Monsieur Oruk, il est gentil aussi, alors je peux lui faire confiance ici. Ah, il est vraiment très gentil. Hein. Tu peux lui faire confiance, hein. C'est vraiment quelqu'un de confiance. Hein. Je dois y aller. Vas-y vite, vas-y. Je dois y aller, puis je reviens. Sont en colère contre toi. T'inquiète pas. Et puis je reviens tout à l'heure si t'es encore là. D'accord. Bon bah fais attention à toi. Hein. Oui, je vais me cacher, je vais faire attention. Et t'hésites pas si tu veux prendre quelques carottes dans mon champ ou quoi que ce soit, t'hésites pas, tu prends. Hein. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, salut monsieur. Bonjour. Oh non, pas lui. Eh, vous savez ce qu'il faut faire. Oh, vous savez s'il faut. Oh, ma live m'a fait vous savez peur. Ce qu'il faut faire. Priorité en ville pour être bien en règle et tout et pas avoir de problème. Parce que je viens d'arriver là, j'ai eu mes habits, mon argent et tout. Ça. Et puis je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Ah, ok. Je vais aller voir un garde. Ah, bah, vous et êtes très courtois. Hein. En aucun cas. Mesdames, je recherche une petite éleveuse, une grabère. Mon papy la demande. Alors, je sais. Il n'y a pas d'éleveuse grabère. Alors, éleveuse grabère, il n'y a pas, mais agricultrice grabère, il y a, elle est devant vous au cas où. Ah, ça doit être vous. C'est Torto qui me cherche? Oui, vous êtes une grabère à grosse tête, oui. Oui, tout à fait, vous allez arrêter par contre avec les. Il y a un problème avec les grabères quand même. Ils sont tout autant respectables. Hein. J'adore les grabères. Suivez-moi, petit grabère. Je vais vous montrer où est mon père. Je vous suis. Allez, bon, bah, je reviens. Attendez, monsieur, on parlait déjà affaire à nous. On parlait affaire. Il n'y a pas d'affaire, madame, c'est une urgence. Torto me demande, c'est une urgence. Je reviens vers vous juste après Lilou. Oh, elle est là. Hé, Torto. Oh, ma petite, j'ai une mission et c'est très important. Faudrait que tu. J'aurais besoin, vu que t'es agricultrice, hein, d'herbe médicinale. Ouais. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut le trouver. Donc là, on va aller ensemble si tu veux. On va attendre le garde Angelo. Il va nous aider. Il va nous protéger pendant. Je vais te montrer exactement où il est, le champ. Ouais. Ah c'est ouais, un parce champ que tu naturel, voudrais... tu vois. Où ouais, on ouais, des tout herbes à fait. Ah ouais, pour toi, ouais, pour faire tes médicaments. Et que tu m'en. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et que tu m'aides, en fait. Surtout bah, à les cultiver, tu les prends et tu les ramasses plein et que j'en aurais besoin assez régulièrement. Donc c'est pour ça, il faut que je te montre où il est, ce petit champ, et à partir de là, bah, tu pourras te débrouiller toute seule normalement, quoi, tu vois. Ah bah si tu veux, ça serait avec plaisir, Torto, tu sais, comme d'habitude, si je peux t'aider, il n'y a pas de problème, moi. Surtout si c'est pour tes médicaments et faire tout ça pour aider les gens, il n'y a pas de problème. Hein. Bah oui, oui. Bah c'est ça, là je suis en rupture de stock, c'est pour ça que là, ça devient urgent. On va pas tarder à faire une halte, on va pas tarder aussi, de toute façon. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Assommez-les-moi. T'inquiète pas, ma belle. C'est pour ton bien.